Et salut à tous les amis, c'est Roi Rézi et on se retrouve pour un nouvel épisode de Sky Factory 2! Pas du tout! Ah, j'ai pété! Ah! On va continuer Botania! Donc, on y va pour la deuxième partie, c'est parti! Et donc on s'en était arrêté à la pure Daisy et ça nous fait sauter le Runic Altar. Elle veut pas qu'on le fasse. Bon bah c'est pas grave. On va faire la Wand of the Forest, donc la baguette de la forêt. Alors, en gros la baguette de la forêt c'est l'outil aux multiples utilisations, l'outil général. Elle est faite par des pétales, bon ça on verra comment elle est faite. Elle a deux modes, Bindman et Function Mode. Le Bindman peut... Si on fait Shift-Clic droit avec un bloc compatible, on peut relier les deux blocs différents, d'accord, ok. Et le function mode permet simplement de faire un clic droit. Ok, bon, ben, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est pas grave, on verra tout sur le coup, hein, une fois qu'on aura cette baguette. Les deux modes peuvent être switchés en faisant un clic droit dans l'air. D'accord. Ok. Rien de compliqué. Si la baguette n'est reliée à rien, on peut faire. Ok, on peut changer la rotation de l'objet si de l'objet compatible en fait. Par exemple, sur un coffre, on peut le changer. Ouais, ça marche un peu comme la Crescent Hammer en fait, hein, comme ça, je pense. Voilà. On peut changer la rotation du coffre. Et du coup, on en était où? Ah! Ok, ça nous ramène ici. D'accord, donc c'est comme ça. Leewingwood Twig. On avait vu ça, je crois, plus tôt. Je vais le faire avec un Mystical White Petal et un de n'importe quelle couleur. D'accord. Alors, comment on fait? Hop. Donc, c'est deux Leewingwood. Il en faut trois. Non. Alors j'ai stocké, j'ai fait un petit peu de stock quand même. Voilà. J'ai récupéré quelques fleurs. Un, deux. Non, c'est comme ça. Hein. Si déjà je commence, je fais n'importe quoi. Voilà, trois. D'accord. Et ensuite, il me faut un blanc et un de n'importe quelle couleur. Allez, hop. Voilà. Tac. Merde, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vais en profiter pour faire ça aussi. Voilà. Et ça, parce que j'en ai besoin que d'un, donc ça sert à rien d'en avoir deux. Je vais stocker cela. On le laisse là, il n'y a pas de souci. Ah ben non, en fait, non. On va pas le laisser là, puisque j'ai besoin de crafter la tombe. Wang Twing, là, je sais pas quoi. Donc le blanc en haut, le jaune en bas, et Wand of the Forest. Alors je ne sais pas. Parce que celle-là, elle est jaune, mais apparemment, il y en a plusieurs. Hein. Ça s'appelle quand même, ouais. Wand of the Forest. Voilà, il y en a de différentes couleurs. Ah non, en fait, c'était pas obligé blanc. Hein. On pouvait faire n'importe quelle couleur. Bref, il y en a de différentes couleurs. Je pense que c'est tous les mêmes. Hein. Enfin, je vois pas l'intérêt d'en faire plusieurs. Et donc, fais voir, on va tester. Pas du tout! Bindman, Function Mode. Ok, donc en faisant le chest, ça marche pas du tout. Ok, bon, bah je sais pas. C'est pas grave, pour l'instant, on l'a, c'est le principal. On a compris comment ça marchait le changement de mode. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, back. Ensuite. Attends, mais. Tut, tut, tut. Non, non, c'est bon, hein. D'accord, donc on retourne. Et là, mana manipulation. Ça y est, on va attaquer la mana. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il me dit?
An introduction to mana. Mana is an ethereal substance. D'accord. Substance éthérée, je ne sais pas. d'accord. Dans le terme l'amiance, c'est une forme d'énergie mystique. Ok, je ne sais pas. C'est pas grave. La couleur de la mana dépend de l'environnement, sûrement. Ça doit être ça. Mastering mana is one of. Ouais. Pour créer de la mana, vous avez besoin de fleurs generating. Lire la section respective. La mana peut être dispersée et utilisée avec des mana spreader et. Voilà. Et rangé dans de la mana pool, hein, on va dire comme ça. Voilà. La mana peut être utilisée de différentes façons. Pour commencer, tu peux utiliser fleurs fonctionnelles. Ouais. Pour commencer avec l'art de la mana. Il te faut utiliser des Day Blooms, de la Mana Spreader et de la Mana Pool. D'accord, on va devoir faire ça alors. Ok. Alors, la Mana Pool. La Mana Pool est un simple coffre de mana. La mana peut être insérée après, avec l'usage de la Mana Spreader. N'importe quelle fleur fonctionnelle est demandée pour avoir du pouvoir. Le pouvoir! La piscine de mana a deux variétés. La diluted, qui permet de garder une petite quantité de mana. Et ne permet pas d'infuser les items et la normale variété, la variété normale, qui permet de garder plus de mana et d'infuser les items. Okay. Donc ça se fait avec la Living Rock. Heureusement, j'en ai gardé. Et pour faire une mana pool, il faut une diluted, deux diluted donc. Deux diluted, une avec de la mana, une sans mana. On plonge la diluted dans la diluted avec de la mana. Et ça donne de la mana pool. Oui, c'est génial. Tossing in some resource in ton. Ok. Par exemple, si on met des lingots de fer ou des pétales mystiques. Ça change la forme des lingots de fer et des pétales mystiques. Ok. D'accord. Donc on peut gérer tout ça avec de la redstone. Je vais pas trop m'en occuper ça parce qu'apparemment j'en ai pas vraiment besoin. Voilà. Donc c'est ça. Si on bloque tout ça, ça fait de la mana steel. On va pouvoir continuer Magical Crop. Donc. Ok. Bon, on a compris. Oh, des mana cookies, ça sert à quoi? On peut pas quitter. Pretty good food. Ok. Bon, on va faire déjà la mana pool. On va en faire deux, donc. On a dit c'est là. Je vais prendre tout ça. Allez, hop. On a dit deux, donc c'est comme ça. Hein. Voilà. On va la poser. Par où on va la poser? Je pense que notre source de mana, on va la faire. Ah, plus au fond. Hein. Voilà, ici ça m'a l'air correct. Ça m'a l'air pas mal ici. Peut-être un peu plus loin. Voilà, là. Mais je n'ai pas de mana. Donc si je jette ça ne sert à rien. Voilà, c'est génial. L'action inutile du jour! Oui! Alors il va pour cela me falloir des mana spreader, si j'ai bien compris. Alors, le mana spreader permet de manipuler la mana. Elle permet de faire voyager la mana d'un point A à un point B quand ce bloc est placé
il peut être placé sur 6 différentes directions de base. Donc haut, bas, gauche, droite, devant, derrière. Et il peut être aussi orienté sur en diagonale, en bas, un peu plus en bas, un peu moins en bas, tout ça. Voilà. Ok, donc ça transfert de mana. De mana spreader à mana spreader. Ok, ça c'est bon, j'ai compris. Il va falloir des generating flower. Et on peut regarder la quantité de mana qu'il y a dans le spreader grâce à la Wand of the Forest. D'accord. Donc là, ils expliquent le fonctionnement de la Mana Spreader. Ok. Et ça, c'est par rapport à la Redstone. Bon. D'accord. Mana Spreader. Alors, ça se fait avec 6 Living Room, God Lingot et des Mystical Petals. Rien de compliqué. On va juste aller chercher des God Lingots. On va courir, allez, 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 allez. Voilà. Alors les gold lingots, j'en ai 4 stacks, c'est largement suffisant. Voilà, merci, on est d'accord. C'est bien que tu sois gentil avec moi, c'est cool. Wow, je rentre dans les barrières, je n'ai plus aucun respect, c'est génial. Alors. Salut, toi. Je t'aime. Pas du tout. Alors, hop, on a dit. Ah, j'aurais dû les garder en fait. Parce que je vais en avoir besoin. Tiens, je vais prendre ceux-là que j'en ai 14. C'est beaucoup trop 14. Je n'aime pas avoir 14 de la même fleur. Ok, alors, on a dit que c'est comme ça. Eh merde, j'ai pas assez. T'es sérieux là, Living Wood? Ah ouais. On récupère la Living Wood. Voilà. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça, puisque je l'ai directement disponible ici. Donc c'est comme ça, et du gold. On va en faire un pour l'instant, on en fera plus tard si vraiment on en a besoin. Donc si j'ai bien compris, bon pour l'instant on n'a pas de... D'accord. Et alors, apparemment, on peut le. Ah, si on active ça, on voit le faisceau lumineux. C'est bien, c'est ce qu'il y avait écrit. Et on voit qu'il va directement dans le diluted mana. Voilà, là, ça affiche avec nos statues. Et là, apparemment, je peux le changer de place. Mais c'est génial! Ok, c'est énorme. C'est. Écoutez, c'est énorme ce qui est en train de se passer. Non, mais pas du tout en fait, c'est de la grosse merde. Donc, ça, on a compris comment ça marchait. Ok, hop, hop. Will Silit. Mais c'est bon, on a compris comment ça marche! Merde, il est où? Ah, d'accord, c'est notre Generating Floating. Ah, une introduction to Generative. Alors, la génération de mana est une priorité pour tout botaniste qui se respecte. Heureusement, vous avez de la chance, il existe des fleurs génératrices qui font ce travail. C'est génial. Ces fleurs, dont le nom explique tout, hein, les génèrent de la mana, passivement et activement. Pff, je ne sais pas ce que ça veut dire en français, en tout cas en anglais, ça doit avoir un sens puisque c'est écrit. Hein? D'accord. Donc là, c'est encore avec le Mana Spreader. Apparemment, c'est pour voir le faisceau lumineux, l'énergie que ça procure. Ok, donc, il va falloir faire la Daybloom. La Daybloom est la basique et rudimentaire fleur de génération. Ça ne veut strictement rien dire. En tout cas, être sorti de ma bouche, hein, évidemment. Parce que je vous rappelle que je suis un très mauvais traducteur. Il performe. Donc ça transforme la lumière du soleil en mana. Mais c'est génial! Ah merde. Le processus est assez lent.
C'est de la grosse merde en gros, ils disent, hein, ils te le disent direct comme ça, ils te disent ne faites pas ça, c'est lent. Ok, j'espère qu'il y aura des... Ah oui, il y en a d'autres, ok. Il va falloir en faire plusieurs, donc... mais pas les mettre côte à côte, puisqu'apparemment ils se battent... Oui, ils aiment pas les fleurs. Ils se battent pour avoir la mana et donc n'aspirent pas la mana, ok. Contrairement aux Nightshade qui eux le font dans n'importe quel jour et ne se battent pas pour la mana, donc, d'après ce que j'ai compris. Sinon, quand on aura besoin de plus de mana, les Endoflames est une bonne idée aussi. D'accord, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est pas bien parce qu'ils se battent pour la mana, et ça, c'est bien parce qu'ils se battent pas pour la mana, mais c'est génial, d'accord. Donc il faut deux jaunes, une bleue et une orange. Bon, on va faire ça. Alors, deux jaunes. Hop. Je vais ranger ça. Du coup, j'en ai pas là qui traîne. Non. Deux jaunes. Il va falloir que j'en fasse plusieurs. Je vais en faire... ben, je vais en faire 5. Donc, 1, 2. Bah, 5. Ok. Deux jaunes. On a dit deux... Ah, mais c'est lesquels de bleu? Merde. Light blue pétale. Cyan, light blue. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui fait 6. Hein. Évidemment, je ne sais pas compter. Et après, c'était du blanc. Non, c'était du jaune. Non, mais le jaune, c'est bon alors. D'accord, le bleu, il en faut qu'un. Et le orange, il en faut. Donc là, 3, ça suffit. Et du orange. Du orange, c'est là. 1, 2, 3. Voilà. Donc ça, comme ça, et ça, comme ça. Ok. Voilà. On va, hop, je vais mettre ça là. Je sais pas s'il y a un ordre à respecter, on va voir, on va essayer. Tiens, hop, hop, et je jette celui-là. Voilà, il me faut les graines. Tac et tac. Et oui, nous avons les Daybreak! Les Daybloom, pardon. Calme-toi. On n'est pas encore le 14 juillet. Ah, quoique, peut-être, en fait. Merde, j'ai jeté, mais j'ai pas mis d'eau. C'est problématique. Oui, bah c'est bon, on a compris. Tu vas pas faire la fête pendant toute la durée de l'épisode non plus. Donc ça, c'est comme ça, voilà, merci. Hop, non du tout. Fuck. Oh putain, ça commence à me gaver les feux d'artifice. Je n'aime pas ça. Tu peux comprendre quand même, non? Ok. Oh putain, pourquoi j'ai mis l'eau par terre? Donc on a dit ça, deux comme ça, une comme ça, et une comme ça, et oui, c'est génial. Hop, hop, une comme ça, deux comme ça, une comme ça, et une comme ça, oui, hop. Une comme ça, deux comme ça, une comme ça, et une comme ça, wouh, et ça en fait 5. Voilà, nickel. Ça en fait 5 qu'on va planter bah, ici, hein. Alors, je sais pas si ça doit être relativement proche du Mana Spreader. C'était écrit, mais j'avais pas envie de le lire. Mec, il s'en bat les couilles, quoi. Bon, on va le faire relativement proche. Hein. Toi, tu dégages, du coup. Alors, malheureusement, il n'y a pas de soleil, donc ça va être un peu compliqué. Voilà. Juste remettre de la lumière, sinon ça va poser problème. Je vais mettre ici. Non, je t'ai dit sur la barrière. Commence pas à péter des câbles. Voilà. Alors là, normalement, ça ne devrait pas... Voilà, ça ne devrait pas... créer de mana. On va aller se coucher. Hop, là c'est problématique. Voilà. J'aimerais pas qu'il y ait des mobs qui apparaissent. Surtout des creepers, en fait. Parce que s'ils me détruisent tout, faut tout que je recommence, c'est relou. Alors. Voyons voir un peu ce que nous disent ces Daybloom. Enfin, si, j'ai fait quand même quelque chose. Déjà, on va voir. Bon, il n'y a pas de mana, là. Ah, il y a de la mana. Sparing mana to item, accepting mana from item. D'accord.
pourquoi ça envoie pas. Donc ici. Oh, ah, ça envoyait de la... Ah, pas beaucoup, hein, par contre. C'est très long, effectivement. J'ai pas l'impression que ça marche. D'accord. Je sais pas si ça fait quelque chose, hein, mais... Bah, ça doit marcher puisque la mana spreader marche. Mais à mon avis, ça doit la vider automatiquement tellement c'est peu efficace. Ok, donc je me demande si je dois pas en rajouter hein, pour que ce soit... pour que ce soit plus efficace parce que là, je sais pas si je vais faire quelque chose avec ça. Très franchement. Très franchement, il va falloir que j'améliore tout ça. On va voir si... Allez, on va directement faire... j'ai encore un peu le temps. Il nous parlait de l'endoflame. Ouais, voilà, c'est ça. While the day bloom. Alors, l'endoflame. Alors que la day bloom est quelque chose de bien, le botaniste a besoin de plus de mana. L'endoflame, et c'est exactement ce qu'il vous faut. Il peut absorber n'importe quel combustible. D'accord, donc apparemment, ça absorbe les combustibles qu'on jette autour de lui. Donc, c'est pas un truc continu, ça, c'est dommage. D'accord. En plus, seulement... attends. Ah oui, seulement un à la fois, d'accord. Ouh là là! D'accord. D'accord, donc en fait, il pourra pas brûler tout ce qui est lava bucket, puisqu'il y a le bucket avec, et le bucket, il peut pas le brûler. Ok, j'ai compris. Bon, apparemment, ça marche comme les déblooms. Hein. Alors, il me faut... Ouh, ah ouais, d'accord, il faut de la mana pétale. Donc, il me faut Mystical Red Pétale, Mystical Brown Pétale, Mystical Light Gray... Et Red Mana Pétale et Brown Mana Pétale. Donc il me faut. Alors, on va voir ça. Deux Brown déjà. Alors, Brown, c'est celle-là. Deux Red. On va en faire qu'un pour voir un peu comment ça marche. Ok. Donc on a dit ça. Mystical Red, Red, Brown, Mystical Light Gray. Donc Light Gray, c'est lequel? Est-ce que j'en ai? Ah, j'ai pas de Light Gray. Ah si, j'ai de la Light Gray. Voilà, nickel. Donc hop. Et hop, voilà. On va en jeter un dans la mana pour voir. Ah, il n'y a peut-être pas assez de mana. Oh, si, il y en a pas mal quand même. Tu te fous de ma gueule, t'es sérieux là? Ouh, d'accord. Donc ça veut dire... Alors, on va voir. Je vais voir un truc parce qu'en fait, il... Ah, il y a assez. La mana pool apparemment ne contient pas beaucoup de mana, donc ça en fait, ça monte, mais de presque rien, vraiment. Voilà. Ah, en plus j'ai acquis un achievement, c'est bien. On va casser ça avant qu'il y ait trop de mana dedans. Parce que la diluted ne sert plus à rien. Et je sais pas si en mettant comme ça... Non, ça marche pas, hein. Il va falloir que je fasse d'autres... Ok. Donc ça jette pas du tout au bon endroit. On va le mettre là. Et comme ça, je vais pouvoir jeter celui-là ici. Bon, bah, en attendant... bon, on va attendre. Bah, je vais faire une petite ellipse. Je vais agrandir un peu ça. Je vais mettre une autre mana pool, un autre mana spreader. Et je vous dis à tout de suite. Et re tout le monde. Alors, j'ai agrandi un petit peu les day blooms. Ça va faire un petit champ. Je pense pas qu'elle va durer très longtemps parce que vraiment, ça ne donne rien du tout. Alors ça va un peu plus vite, hein, comme vous pouvez le voir, ça monte.
Ça envoie ici et puis ça envoie directement ici. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que je pense que je vais laisser comme ça et que je vais en faire d'autres qui vont directement l'emmener ici pour par souci de pratique. Et par contre, bah, ici ça n'augmente pas. Voilà, ça augmente mais très 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 lentement. Mais j'ai quand même de quoi faire la Mystical Red Petal, donc c'est cool. J'ai déjà fait la Brown. Hein. Alors on envoie et ça n'a pas marché. Ah voilà, là ça a marché. Alors comme on avait dit, hop, de l'eau dans leur unique apothécari, là j'ai réussi, voilà. On pose une marron, une rouge, deux gris je crois. Brown Mana Steel et nous avons la reine Mana Steel. Et normalement, avec une graine, c'est pas du tout, j'ai dû me tromper quelque part. très bien. Oui, il en fallait qu'une hein, et j'en étais sûr. Je sais pas pourquoi j'en ai gardé deux. Alors, on peut les récupérer comme ça en faisant shift-clic droit. Voilà. Hop, je remets cela. Et voilà, nous avons Melton, c'est pas ça. Ah, Landoflame, voilà. Landoflame. Alors, est-ce que si je pose ici, ça pose problème? Je ne crois pas. Néanmoins, je ne sais pas si ça fait quelque chose. Je ne crois pas non plus. Ok. Alors, on va aller chercher du combustible, on va voir. Si je jette le combustible, est-ce que ça marche? Alors, hop, comment on fait du combustible? Déjà, c'est comme ça, je crois. Voilà, 12. 60. Est-ce que si je jette tout, ça va marcher? Est-ce que ça va faire quelque chose? Déjà, on va en jeter un pour voir. Bouf! Fuck! Il a mangé! Il a mangé! Ah! Bouffon! Ah! Il a mangé! Sale morphale! Rends-le-moi! Ok, mais est-ce que ça a fait... Ah! 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 Ah oui! Ah, mais il a l'air en plus de continuer à en donner, d'accord? D'accord, ça marche comme ça. Alors combien de temps ça fait ça, je ne sais pas, mais en tout cas ça a l'air de bien marcher. Donc si on en fait plusieurs, on va pouvoir bien le remplir le truc. Le seul problème c'est qu'il va falloir le charger, sûrement. Ah, il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Est-ce que si j'en envoie deux... Pas du tout, il en a mangé qu'un, ok. Remarque, je peux... Ah ouais, 5 minutes. Ah, ça fait moins de 5 minutes, je peux peut-être en mettre 3 et le laisser manger. En attendant, ça va grandir tout seul. Là, ça augmente. Et là, ça... Ouais, mais ça augmente très peu aussi, mon Dieu. Mais comment vais-je faire? Il va falloir que je trouve un autre moyen. Alors, fais voir un peu les plantes qu'il y a. Alors, eux, ils me donnent rien, mais on va voir. Anthropinium. Anthropinium. Ouh là là, d'accord. Il faut faire des explosions à côté, ok. Gourmarilis. Il faut donner de la bouffe. C'est pas du tout ce que je veux. Ah, passive mana, ça a l'air d'être bien ça. D'accord. D'accord, ça aspire l'eau entre des colonnes de 3-3. Est-ce que... Ah, d'accord. D'accord, ça marche comme ça alors. Ah, ça a l'air vraiment bien ça. D'accord, bah, je vais faire ça pour les prochaines fois. Et on va voir si ça augmente un peu mieux parce que... En tout cas, là, ça bouffe. Et lui, il en voit toujours. Hein. Mais ici, ça augmente pas assez. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. La prochaine fois, bah, on essaiera l'hydrogé à anus, là, je sais pas quoi. Et on verra si ça augmente un peu mieux. Je vais faire des tests à côté pour voir
Et peut-être, enfin, pour mieux comprendre le système, parce que là, jusqu'à maintenant, bah, ça fait beaucoup. Enfin, ça fait pas beaucoup de mana et j'aimerais bien avoir un peu plus. Je regarde vite fait. Ok, des saplings et des leaves. Ça, c'est pareil, c'est des trucs qu'il faut les jeter. Des slimes, oui, bien sûr. Donc, ça marche comme les Deblooms, apparemment, mais c'est aussi des petits. Rosa Arcana. Ok, ça transforme les points d'expérience. Bon, ça peut être pas mal aussi. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est. Attendez, je vais regarder. C'est un tistle. Ouais, apparemment, c'est le Spectrolus. D'accord, bah, je ne sais pas. Et la thermale. Ça fait pareil, mais avec de la lave. Ah, il faut des runes, tout ça, c'est pas pour tout de suite. Mais ça peut être sympa avec de la lave aussi. D'accord. On regarde un dernier. Ouais, bon, bref. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à partager un petit pouce vert, ça fait plaisir. Et montrez bien cette série. J'ai besoin de vous, hein, j'ai besoin de vos critiques pour m'aider à avancer. Merci à tous, bisous, bye bye. Thank you.